Alors, je ne suis pas Louis GL et je ne travaille pas en Outre-mer, même si ce serait sûrement très important pour l'épidémiologie rénale et cardiovasculaire. Donc, notre équipe, c'est l'équipe d'épidémiologie rénale et cardiovasculaire, RINCœur, que je dirige et qui est co-dirigée avec Ziad Massi, qui est néphrologue à l'hôpital Ambroise Paré. Alors, j'ai réutilisé, comme plusieurs d'entre nous, certaines diapos de la visite à ERS, mais j'ai essayé de montrer dans cette présentation où nous avons avancé par rapport à cette visite. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, notre équipe est répartie sur trois sites, en fait. Il y a une composante très importante de cliniciens qui se situe à l'hôpital Ambroise Paré, où il y a des néphrologues, des cardiologues, et des réanimateurs, des chirurgiens vasculaires aussi. Il y a donc l'équipe d'épidémiologistes, de méthodologistes qui se trouve à Villejuif, et puis mon collègue Christian Jacquelinet et notre data manageuse pour la cohorte CKD Rhin qui se trouve à l'agence de la biomédecine, et ça c'est historique. Ça fait 15 ans avec Christian Jacquelinet et l'agence de la biomédecine qu'on travaille pour mettre en place des outils de recherche sur la maladie rénale chronique. Alors, vous voyez, c'est une dispersion géographique. Beaucoup utilisent leur voiture pour venir jusqu'à Villejuif, mais en fait, on privilégie beaucoup la visioconférence. Et les trois sites sont équipés maintenant et toutes nos réunions se passent en visioconférence. Alors, comment a évolué l'équipe depuis le 1er janvier 2015 ? Nous étions 13 équivalents temps, enfin 13, il y avait 13 chercheurs au 1er janvier 2015, il y en a 5 qui sont ici en rouge qui ont rejoint l'équipe. Donc il y a un effet d'attraction depuis la création de l'équipe, donc ça c'est une bonne chose, et y compris ça comprend un certain nombre de jeunes cliniciens qui ont soit un master, soit une thèse en santé publique, donc ça augmente beaucoup le potentiel de recherche de l'équipe. On a 3 ingénieurs mais aucun statutaire. Et on a 4 étudiants en thèse, dont 3 nouveaux, et un post-doctorant. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on a fait une équipe sur l'épidémiologie rénale et cardiovasculaire. Bon, il n'est pas la peine d'expliquer et de venir montrer que la maladie cardiovasculaire est un gros problème de santé publique. C'est beaucoup moins connu pour la maladie rénale chronique. Et la maladie rénale chronique, pendant très longtemps, on n'en voyait que le haut de l'iceberg, qui était le nombre de personnes dialysées ou greffées, qui aujourd'hui est de 70 000 en France, c'est-à-dire un peu plus d'une personne sur 1000. Mais depuis 2002, la maladie rénale chronique, elle a pris beaucoup plus d'ampleur en termes de santé publique, avec la nouvelle définition qui est qu'on appelle une maladie rénale chronique une pathologie définie par la présence de marqueurs de lésions rénales, protéinurie, albuminurie, ou par la baisse du débit de filtration glomérulaire. Et ça, cette maladie rénale chronique, elle concerne 10 à 13% des adultes dans le monde et plus de 30% après 70 ans. Et comme vous le voyez ici sur la droite, ce sont des travaux qui sont issus du consortium sur l'évaluation du pronostic de la maladie rénale chronique. Ce consortium a été mis en place après que la définition ait été faite, et c'est pour bien évaluer le pronostic à long terme de cette pathologie. Vous voyez ici qu'avec la baisse de la fonction rénale, en dessous du seuil de 60 ml minute, on augmente le risque de mortalité toute cause, le risque de mortalité cardiovasculaire, bien sûr le risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, et le risque d'insuffisance rénale aiguë. Et c'est ce risque cardiovasculaire très augmenté dans la maladie rénale chronique qui a justifié en tout cas notre intérêt pour rassembler cardiologues, néphrologues, méthodologistes autour de ces thématiques. Donc, nos thèmes de recherche, en fait, ils se déclinent selon trois axes. Un premier axe qui est l'étude des déterminants, des biomarqueurs et du pronostic de la maladie rénale chronique et de ses complications. On s'intéresse à la compréhension des relations entre maladie rénale chronique et maladie cardiovasculaire. Et enfin, il y a tout un volet sur l'évaluation des pratiques cliniques dans la maladie rénale chronique et cardiovasculaire. Vous avez vu que notre équipe est composée d'un grand nombre de cliniciens et que c'est donc un sujet qui est très important pour nous. Et
on a une approche qui est une approche avec un poids important donné à la recherche translationnelle. D'une part, la recherche translationnelle qu'on appelle de type 1, de la paillasse au lit du malade, et puis celle de type 2, du lit du malade à la population. Et on est aussi très attaché à ces deux types d'approches. Alors, notre équipe, c'est une jeune équipe puisqu'elle est créée seulement depuis le 1er janvier 2015, mais en fait, on a tous les uns et les autres beaucoup travaillé avant de se mettre ensemble. Et notamment avec Christian Jacquelinet, l'agence de la biomédecine, nous avons monté tout un ensemble d'outils et ça s'est fait progressivement au cours des 15 dernières années. D'abord le registre rein, qui est un registre de tout l'ensemble des patients dialysés et transplantés. C'est les registres de ce qu'on appelle le stade 5. Il y a actuellement 165 000 patients qui ont été recensés dans le registre rein. J'ai beaucoup travaillé avec, et je travaille toujours beaucoup avec un grand nombre de néphrologues autour de la cohorte néphrotest, qui a comme particularité d'avoir inclus depuis plus de 2000 patients avec du DFG, une estimation de la fonction rénale par la méthode de référence. Et cette cohorte fait partie du consortium sur l'évaluation du pronostic de la maladie rénale chronique, et dont vous allez voir quelques résultats. Il y a des études sur lesquelles j'ai travaillé qui ne sont pas coordonnées dans l'équipe, l'étude des trois cités que beaucoup connaissent, et puis celle sur laquelle Beverley a travaillé. Et puis, je vous dirai un mot de plus tout à l'heure sur la cohorte CK des reins, qui est une cohorte qui est financée dans le cadre des investissements d'avenir, et qui est évidemment celle qui occupe beaucoup notre temps de travail actuellement. Et puis, nos collègues cardiologues ont mis en place depuis un moment déjà une cohorte qui s'appelle CARVAR, dont je vais présenter aussi un résultat tout à l'heure, et qui est un gros travail qu'ils ont fait avec la Caisse primaire d'assurance maladie pour faire une évaluation de la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire dans leur département. Donc, l'axe 1 de l'équipe, il y a d'une part un volet qui est donc sur les déterminants, les biomarqueurs et le pronostic de la maladie rénale chronique. Il y a tout un... On avait décliné ça en quatre questions. Comment mieux prédire la progression de la maladie rénale chronique et son pronostic? Quels sont les biomarqueurs permettant de prévenir la progression? Quel est l'impact des épisodes d'insuffisance rénale aiguë sur la progression de la maladie rénale chronique? Et quels sont les déterminants et les événements associés à une hypertension résistante? Alors, nous avons commencé à travailler sur ces différents points. Et je vais vous montrer là, par exemple, les résultats qui sont issus de la thèse de Jean Caboret dans l'étude des trois cités, qui porte sur plus de 4000 personnes de plus de 65 ans qui ont une hypertension artérielle traitée. Et vous voyez ici qu'avec la baisse du débit de filtration glomérulaire, l'augmentation très importante de l'hypertension artérielle résistante. Donc c'est un problème important chez le sujet âgé, le traitement de l'hypertension artérielle qui est résistante, c'est-à-dire qu'avec plus de 3 médicaments, on n'arrive pas à faire baisser la pression artérielle. Alors, je vous ai dit aussi qu'on s'intéressait à la prédiction du risque de défaillance rénale. Il y a une équation de prédiction qui avait été mise au point par une équipe canadienne et que nous avons pu valider au sein du consortium avec, sur la base de 31 cohortes sur 4 continents avec plus de 700 000 individus qui ont été inclus, plus de 23 000 cas de défaillance rénale. Et effectivement, on a vu qu'avec 4 variables, l'âge, le sexe, le niveau de débit de filtration glomérulaire et l'albuminurie, on était capable de prédire de façon extrêmement précise le risque d'insuffisance rénale terminale. C'est de façon un petit peu plus précise en Amérique du Nord que dans les pays européens où il y a des différences d'incidence, mais où on a pu mettre des facteurs correctifs pour mieux prédire le risque dans ces pays-là. L'axe 2, c'est celui où on étudie la frontière de comprendre les relations entre maladie rénale chronique et les complications cardiovasculaires. Donc il y a différents aspects. Il y a des aspects qui sont autour de la période de survenue, de la sévérité et des déterminants de l'insulinorésistance dans la maladie rénale chronique. Et ça, c'est un travail que Ziad Massi a initié avec Beverley Balco dans une de ses cohortes, la cohorte risque, et qui a fait l'objet d'un master qui s'est soutenu au mois de juin.
Il y a une autre question qui s'est posée autour du rôle du dysfonctionnement endothélial dans la maladie rénale chronique. Et ça, c'est ce qui fait actuellement l'objet d'un projet dans l'équipe qui va être déposé pour une demande de financement et qui s'appuierait sur les données de Ccaderin. Donc, il y aurait des... Non, pas celui-là, pardon, c'est le suivant. Donc, mais qui fait l'objet quand même d'une demande de financement. Et enfin, un troisième volet sur la maladie cardiovasculaire chez les femmes qui ont une maladie rénale chronique et qui, elle, fait l'objet d'un projet de demande de financement dans lequel il y aura un certain nombre de dosages de stéroïdes en bono pour évaluer le lien avec la maladie cardiovasculaire chez ces femmes. Donc ça, c'est un projet qui sera basé sur l'étude Ccaderin. Alors, l'évaluation des pratiques cliniques, on vous a dit, c'est une part importante des travaux de l'équipe. Donc, évaluation des mesures de prévention, optimisation du démarrage de la dialyse, amélioration des pratiques pour diminuer la progression vers l'insuffisance rénale terminale. Tous ces projets-là sont déclinés actuellement dans nos études. Donc là, vous avez ici un résultat qui a été publié par l'équipe d'Olivier Debourg, qui porte donc sur sa grosse cohorte cardiovasculaire risk factor, qui est donc une cohorte basée sur des données de l'assurance maladie, et où il y a un dépistage des facteurs de risque qui sont faits à l'hôpital Ambroise Paré et où ils évaluent l'impact des campagnes de prévention sur l'évolution de la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire et des scores de risque de maladies cardiovasculaires. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'avec le temps, entre 2007 et 2012, il y a eu, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, une baisse de ces facteurs de risque. Alors, je vous ai dit qu'on s'intéressait beaucoup aux aspects transition vers l'insuffisance rénale terminale et comment améliorer cette transition. Et ça, c'est un sujet qui a fait l'objet du master de Natalia Alencar-Dépineau dans l'équipe, qui est un sujet qui a été proposé par Raphaël Koskas, qui est chirurgien vasculaire à Ambroise Paré. Et donc, nous avons co-encadré pour le master qu'a fait Natalia cette année. Et là, elle va commencer sa thèse. Et ça a utilisé les données du registre Rhin. On a eu 53 000 patients incidents qui ont été inclus. Alors, Natalia a pu montrer deux choses qui sont intéressantes sur cette diapositive. C'est que, en dépit des recommandations sur le fait qu'il est très important d'utiliser surtout les fistules artério-veineuses plutôt que les cathéters pour dialyser, on voit que malheureusement, en France, alors qu'on était très bien positionné, je dirais, en 2005, on voit qu'on a malheureusement une augmentation importante des démarrages sur cathéter de la dialyse. Donc ça, c'est assez préoccupant. Et pourtant, chez ces personnes qui ont démarré avec un cathéter, un pourcentage avait bien une fistule qui était en place, mais qui n'était pas fonctionnelle. Et donc, Natalia a pu étudier le devenir de ces personnes qui ont démarré avec une fistule non fonctionnelle. Donc, vous voyez qu'un certain nombre va décéder, mais qu'une grande partie, plus de 60%, ont bien une fistule en place au bout de 60 mois, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont démarré avec un cathéter. Je vais dire un mot sur la cohorte Ccaderin. Donc la cohorte Ccaderin, c'est un projet investissement d'avenir. On a 13 équipes académiques qui participent. On a 6 partenaires industriels qui la soutiennent. Je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail, je pense que je n'ai pas le temps de vous détailler les objectifs, mais disons que l'intérêt majeur de cette cohorte, c'est pour la recherche translationnelle, puisqu'on a une biotech qui est importante, l'évaluation des pratiques médicales, la santé perçue par les patients et l'évaluation médico-économique. Donc on a un recueil extensif de données à l'inclusion et un suivi à 5 ans. L'étude a démarré en 1er juillet 2013 et nous terminons les inclusions fin décembre. Ici, un premier résultat qui a été présenté par Ziad Massi à la Société de Néphrologie la semaine dernière, qui montre, parce que cette étude Ccaderin s'inscrit dans un projet international,
et qui montre les grosses différences de pratique entre la France, les États-Unis et l'Allemagne, notamment concernant la prise en charge du diabète dans la maladie rénale chronique. Alors, très heureusement, nous avons maintenant un site internet qui me décrit toutes les, qui décrit la cohorte, à la fois les actualités de la cohorte, comment pour les participants, comment, enfin, ce qu'implique la cohorte, et puis des aspects plus pour les scientifiques. Et je terminerai sur cette diapositive concernant notre équipe. Vous voyez que CKDRA est un projet qui est vraiment au cœur du projet d'équipe et qui va pouvoir beaucoup aussi nous rassembler. Je vous remercie. Merci. Alors, des questions ? Moi, je vais refaire ce que j'ai fait ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire l'épidémiologie translationnelle? Translationnelle. Ah, non, mais alors, c'est très important qu'elle explique. Je ne savais pas. Et ça, c'est vraiment assez important. Alors après, on dit on peut employer ce mot, ne pas l'employer. On peut l'employer plus facilement en disant c'est quand on a des connaissances qu'on a obtenues à la paillasse, comment est-ce que ça peut passer le plus rapidement possible au lit du malade? Et quand on a obtenu des connaissances au lit du malade, comment ça peut passer au niveau de la population? C'est-à-dire que, par exemple, alors très clairement pour nous en tout cas, je veux dire, nous par exemple, il y a toutes sortes de mécanisme de la progression de la maladie rénale avec des pathways physiopathologiques, des biomarqueurs qui prédisent bien chez le rat la progression de la maladie rénale, est-ce que ça prédirait bien chez l'homme? Et là, on a toutes sortes de travaux. Enfin, nous, par exemple, au niveau de néphrotest, on a dosé une vingtaine de biomarqueurs, de nouveaux biomarqueurs de progression de la maladie rénale sur un tout petit nombre de sujets. Maintenant, on voudrait le doser sur un plus grand nombre pour pouvoir mieux prédire la progression. Voilà. Ça, c'est l'épidémiologie. C'est ça qu'on fait, c'est notre discipline, n'est-ce pas? On est vraiment entre la science fondamentale et la politique. Le politique, je ne sais pas quel est le nom, comment on dit, c'est masculin ou féminin. Donc, là. Pour moi, ça, c'est vraiment notre discipline. Donc, quand on commence à rajouter, ça, c'est les aspects scientifiques de base. Que si on n'arrive pas à traduire dans les résultats, on n'écrit pas les papiers juste pour écrire les papiers. Il y a maintenant des projets qui sont proposés au sein même de l'ANCA qui portent sur la recherche translationnelle. En incluant des données épidémiologiques et de la recherche fondamentale. Oui, mais là, entre nous, on peut aussi parler de qu'est-ce que Chana, ça veut dire, c'était... T'as raison, c'est encore de la rhétorique. Hein. Moi, je voulais juste savoir, quand vous parlez de l'évaluation des pratiques, est-ce que c'est à peu près toujours le même sens en fonction des projets? Est-ce que ce sont des indicateurs de processus, plutôt de résultats? Enfin, voilà, qu'est-ce que... Parce qu'après, l'évaluation des pratiques, ça peut être... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça, les facteurs contextuels, d'organisation de l'offre. Enfin. Alors, il y a différentes choses. Je vais être bref parce qu'il faut qu'on aille vite, qu'on passe. Voilà. Mais disons qu'en tout cas, dans ces cas des reins, on a à la fois tout un ensemble de questions qui sont posées aux praticiens sur leurs pratiques. Quels sont leurs sites de pression artérielle? Quand est-ce qu'ils mettent les personnes en dialyse? Quelles sont leurs pratiques de biopsie rénale? Enfin, vraiment, ils ont un questionnaire de 20 pages. Voilà. Et puis, on a des questions sur la structure. Quelle est la taille du service? Combien il y a de lits? Est-ce qu'ils ont une évaluation HAS? Est-ce qu'ils ont eu des recommandations? Est-ce qu'ils ont des protocoles à l'intérieur du service, etc. Donc, on a toutes sortes de questions dans ces cas des reins qui vont être vues de cette façon-là. Et puis après, on a des évaluations qui, elles, sont beaucoup plus macroscopiques. C'est-à-dire que il y a des politiques de santé qui sont mises en place. Et puis, on a des grosses bases de données, comme la base de la caisse d'assurance maladie ou comme le registre rein. Et on voit si ces politiques, année après année, elles ont bien un impact. Par exemple, en ce moment, dans l'insuffisance rénale terminale, on a un gros souci. 30% des personnes démarrent la dialyse en urgence.
Bon, ben, il faut espérer qu'au fil des années, ce chiffre va baisser avec la mise en place de mesures de prévention. Emmanuel l'a dit ce matin, on se rend compte maintenant que la dépression est un facteur pronostique très important pour l'évolution des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Dans le Rhin, on peut imaginer un peu la même chose. Vous avez prévu de... Alors, dans le Rhin, les malades, ils remplissent un auto-questionnaire de 24 pages, ouais. 200 questions, et il y a une échelle de dépression. Donc en fait, il y a leur qualité de vie, une échelle de dépression, il y a les relations à l'intérieur de la famille, il y a toutes sortes de choses voilà, qui sont mesurées. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour les interpréter, je pense que vous aurez. Juste une dernière question. Et ce que tu viens de dire, Bénédicte, sur les personnes qui arrivaient en urgence, est-ce que vous avez un peu une optique de regarder en termes d'inégalité sociale? Oui, alors nous avons eu les états généraux du Rhin, peut-être certains d'entre vous ont lu des choses là-dessus. Christian Baudelot a beaucoup travaillé sur les facteurs sociaux d'inégalité d'accès à la greffe notamment. Et un des gros problèmes qui nous était reproché, c'est de ne pas recueillir des indicateurs de catégorie sociale ou de niveau d'études dans le registre Rhin pour pouvoir voir ce genre de choses. Et voilà, on a demandé l'accord à la CNIL. Et ça va être fait maintenant. Il y aura au moins un indicateur de niveau social dans le registre. En fait, ça sera un indicateur de niveau d'études, de diplôme. D'accord. Mais vous pourriez regarder au niveau contextuel, on en parlera. D'accord. Mais il n'y a pas seulement, pardon, il n'y a pas que l'égalité sociale, il y a quand même une différence de sexe pour l'accès, par exemple. Ah, j'ai pas entendu. Je dis qu'il n'y a pas d'égalité seulement de problèmes de socio-économique qui décide. Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. Ah, il semblerait que les hommes sont plus transplantés en France que, ou ailleurs dans l'Europe que par rapport aux femmes. Alors, donc on ne sait pas pourquoi, mais bon. Il faut qu'on parle un jour. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, moi je vais vous présenter une petite équipe, toute petite équipe, qui traite de sujets très descriptifs. Donc on ne parle pas d'évaluation de politique publique, on n'a pas des choses très compliquées, on ne fait pas de translationnel, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas parfois des méthodes un peu compliquées, mais voilà. En tout cas, les termes qu'on utilise sont plutôt simples. Donc c'est la thématique, c'est l'épidémiologie des usages de drogue en population générale. Et un des axes qu'on a derrière, c'est de regarder les différences, enfin les inégalités sociales de santé dans les usages de drogue et aussi les inégalités sociales de sexe, les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire en fait le croisement entre les inégalités hommes-femmes et les inégalités sociales. Alors, pourquoi cette bizarrerie de toute petite équipe là? C'est qu'en fait, au sein de l'unité 669, avant, qui était dirigée par Bruno, il y avait déjà des travaux qui étaient engagés sur ce genre de thématique, notamment autour des adolescents. Et puis on était nombreux, quelques-uns en fait, à travailler déjà sur ces thématiques d'usage de drogue, notamment à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui travaillaient sur ces données-là en France, mais que voilà, il y avait quand même un potentiel parce que en fait, les équipes qui travaillaient sur les données étaient aussi en lien avec les producteurs de données, donc l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'INPES. Et donc on s'était dit qu'on pouvait capitaliser sur cette production de rapports et cette longue histoire de production d'enquêtes pour développer davantage la recherche dans l'utilisation de ces bases de données et avoir un espèce de partenariat win-win entre les producteurs et les utilisateurs de données. Donc évidemment derrière tout ça, en bout de chaîne, il devrait y avoir des conséquences pour la santé publique qui intéressent au premier chef l'INPES, l'AMIDK pour ce qui est des usages de drogue ici. Principalement. Donc il y a des conséquences, il y en a certaines. Il y a des petits programmes qui sont évalués. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très développé en France. Donc moi je ne parlerai pas du tout de ça, mais je vais parler un petit peu de ce qu'on essaie de mettre en évidence comme problème et comme disparité dans les usages de drogue. Alors voilà, pour dire qu'on n'est pas nombreux, c'est qu'on n'est vraiment pas très nombreux. Donc il y a un mois. Je ne suis pas du tout INSERM en fait au départ, puisque moi je suis statisticien INSEE, détaché à l'INED, donc je suis déjà un transplant de l'INSEE à l'INED, et puis en même temps sur une partie de mon temps libre, moi je travaille pour l'INSERM, c'est un peu compliqué.
Il y a Aurélie Maillet, qui est une ex-doctorante, qui est une chercheuse confirmée maintenant, qui travaille au service de santé des armées. Nir Kazenchaud, qui est le seul titulaire, en fait, qui est maintenant émérite à l'INSERM, qui a été mon directeur de thèse. Danner Ricard, qui est un postdoc à l'INED, donc l'Institut National d'études démographiques. Et puis, dans les chercheurs associés, il y a la directrice adjointe de l'INED, que j'ai réussi à recruter, Myriam Clapp, un ex-collègue, aujourd'hui directeur de l'Observatoire français de la toxicomanie, François Beck, Stanislas Pika, qui est ingénieur d'études à l'EFDT, un chercheur sociologue quantitativiste qui travaille à l'INSERM, qui est Patrick Perretti-Vater, spécialiste du risque et puis du tabac, et Florence Jusot, qui est une économiste de la santé, qui travaille à Dauphine et à l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. C'est assez... Déjà, c'est assez explosé sur le territoire, parce qu'en fait, à l'INED, on n'est que 3, et on ne travaille pas à plein temps sur ces problématiques-là. Et en plus, vous allez voir que dans les thématiques qu'on traite, il y a encore un autre problème, c'est encore éclaté d'une autre façon. Alors, les axes de recherche, donc, c'est d'abord le truc de base, c'est par ça qu'on avait commencé à publier nos premiers travaux, c'était les associations des usages de drogue avec les problèmes de santé publique. Donc, c'était... la santé mentale et la santé, parce que dans toutes nos enquêtes, on avait des petites questions de ce genre-là. Donc les troubles des comportements alimentaires, la dépression, le suicide, la violence. Et ensuite, on a commencé à développer d'autres types de travaux un peu plus ambitieux, si on peut dire. C'est la diffusion dans l'espace, le temps et les groupes sociaux, qui est en fait le cœur de nos travaux maintenant. Donc on a une approche géographique, enfin, on essaie de la développer, je vais vous dire juste deux mots. Une approche temporelle ou historique, on essaie de voir comment les usages sont développés et diffusés dans la population. Et puis on regarde aussi précisément les trajectoires individuelles des personnes dans les usages de drogue. Vous savez qu'il y a des controverses sur le fait qu'on commence par boire un verre de lait maternel éventuellement, puis ensuite on fume sa première cigarette, puis son premier verre, puis après le 1er juin, et ensuite c'est l'escalade. Donc ça c'est vraiment l'image d'Épinal, la caricature, mais ça a été un paradigme assez fort pendant longtemps, et ce déterminisme, disons, pharmacologique, et cette succession d'usages est fortement critiquée, à juste titre. Et donc, avec les enquêtes qu'on a, qui ne sont pas des enquêtes de cohorte, on arrive quand même, en datant les événements d'expérimentation, de passage à des usages plus importants, à essayer de retracer les trajectoires, donc les carrières de consommation de chacun des individus, et à regarder les probabilités de transition d'un usage à un autre. Et alors le dernier axe, c'est là pour là qu'on est encore un petit peu, déjà qu'on n'est pas nombreux, en plus on est schizophrène, on a, enfin surtout moi, en fait je travaille quand même mes casseroles professionnelles d'avant, donc moi je travaille à l'INED, je suis responsable d'un service d'enquête et sondage, donc de méthodologie d'enquête. Et donc je m'intéresse aussi du coup à la façon de produire les enquêtes et comment les améliorer. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais par exemple aujourd'hui l'INPES, l'INSERM de temps en temps et l'INED aussi, font des enquêtes téléphoniques, par exemple, et bon, évidemment, il y a des enquêtes en face à face aussi, on en fait, hein. Mais les enquêtes téléphoniques, alors que le téléphone est un moyen hyper commode de joindre les gens, parce que 99,5% de la population est équipée de téléphone, on peut joindre absolument tout le monde, en fait, c'est devenu hyper compliqué de mener une enquête téléphonique proprement, et on est même quasiment dans l'incapacité de pouvoir calculer un taux de participation. Pourtant, c'est encore très utilisé, tous les baromètres santé de l'INPES sont menés comme ça, et il y a encore des enquêtes sensibles, sur les drogues ou d'autres sujets, la sécurité, par exemple, qui sont menées par téléphone. Donc moi, j'essaie de travailler avec mon équipe à l'INED à l'amélioration de ces techniques-là. Et puis, il y a un autre aspect sur là qui est plus centré sur les drogues, qui est les recherches autour des tests de repérage de l'usage problématique de drogue, notamment le cannabis, avec donc le DSM. Essayer de voir quelle est la structure du DSM dans la population. Est-ce qu'il vraiment il est unidimensionnel ou pas? Est-ce que ça marche bien? Et on a développé un test de repérage plus court, qui s'appelle le CAST, et qu'on essaye aussi d'analyser, d'évaluer sous toutes ces coutures. Et ça, c'est plutôt un succès, parce qu'il se trouve que c'est un des tests les plus utilisés en Europe, et peut-être même dans le monde, je crois. Donc, voilà. Donc, juste pour dire ce qui a été fait un petit peu sur chacun des axes. Donc, le premier axe, c'est des trucs un peu généraux. Donc, la santé, quoi, on peut dire. Donc, il y a eu sur les troubles des comportements alimentaires, il y a eu un travail qui a été publié en 2013. Donc, c'était avant la création de l'unité, mais c'était quand même dans les prémices de sa construction. Avec Nathalie Godard, autour de l'enquête escapade, une enquête jeune, j'en dirais juste deux mois après. Des travaux sur la dépression et le suicide, sur les jeunes ou les jeunes adultes. Des travaux sur la violence avec escapade, qui a été publié avant, alors c'est un truc qui date un peu, mais il y a d'autres articles qui sont en préparation autour de ces questions-là. Donc l'idée, c'est que les échantillons qu'on a sont tellement gros qu'on peut mesurer des choses assez fines, et on a des populations qui sont très restreintes en âge.
est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, ces 17 ans, donc on a une puissance statistique très importante pour étudier la fin de l'adolescence. Alors sur la diffusion dans le temps, la stratification sociale, donc là c'est les travaux les plus récents. Donc on a regardé d'abord, on a comparé trois pays, France, Allemagne, États-Unis, qui sont un peu différents du point de vue de l'épidémie tabagique, notamment dans le timing de l'épidémie. Et donc on a regardé trois générations, une vieille génération, une génération ancienne et une génération contemporaine, à peu près trentenaire aujourd'hui, en comparant donc les vitesses de diffusion du tabac et les inégalités sociales dans les trois pays. Donc ça donnait lieu à un papier qui est paru dans Social Science and Medicine en 2014. On a répliqué ça en France, mais en regardant avec une optique plus cycle de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe précisément pour les individus au cours du vieillissement, suivant qu'on appartient à telle ou telle génération, et l'inégalité sociale et genre. On a répliqué ça sur le cannabis aussi pour l'expérimentation et le passage à l'usage quotidien. Et là, on est en train de regarder, s'attaquer au même genre de questions avec la question des migrations. Alors, c'est pas parce qu'il y a une polémique, ou des problèmes de santé et des problèmes économiques très importants autour de la migration actuellement, mais c'est parce qu'en fait, dans les bases de données, on questionne sur l'origine migratoire des personnes. Or, évidemment, venir de tel ou tel pays, de telle ou telle culture, n'a pas le même impact sur les façons de consommer. Et on peut formuler des hypothèses sur, la convergence vers une façon de consommer qui soit plus celle du pays d'accueil que le pays d'origine. Alors juste pour vous montrer le type de résultat qu'on peut avoir, donc c'est sur le tabac, donc je vais juste commenter rapidement, donc là c'est les femmes, non c'est les hommes, voilà. Donc là il y a des nouveaux diplômes, ici en très léger, là c'est les plus diplômés, et donc c'est le passage à l'usage quotidien de tabac pour la vieille génération, qui est née entre 46 et 60, génération intermédiaire 75-75, et génération récente 76-92. Et là vous voyez les plus diplômés, ils sont déjà chez les hommes en dessous des moins diplômés, pour le passage d'usage quotidien, l'écart s'accroît à la génération d'après, et la génération, on pourrait dire presque contemporaine, les écarts sont très forts. Chez les femmes, on a un effet légèrement différent, les plus diplômés sont au-dessus pour la génération ancienne, et puis ça commence à se renverser sur les générations actuelles. Donc en fait, on peut voir mesurer précisément le changement de l'inégalité sociale et la constitution du gradient au cours des temps. Là, vous avez la même chose pour le cannabis. Ça, c'est plus inédit. Donc, on l'a fait dans trois pays, mais là, je présente juste la France. Pour les hommes, pour la même génération, on a les plus diplômés qui expérimentaient plus. Puis, évidemment, ça monte pour tout le monde, ça fait la diffusion dans la population. Et là, on a un phénomène qui commence à apparaître, c'est que les moins diplômés continuent à augmenter, mais pas plus que les plus diplômés. Donc, en fait, l'expérimentation de cannabis devient quelque chose qui commence à se concentrer dans les populations les moins favorisées sur le plan éducatif. Et chez les femmes, on avait un gradient ici très fort, les plus diplômés étaient très au-dessus, ça se maintient, puis là, ça commence à se combler. Donc, comme pour le tabac, il y a un temps de retard à la suite de l'évolution des hommes. Ça, le papier est publié sur la comparaison France-Allemagne-États-Unis, et là, quelque chose d'inédit sur la transition à l'usage quotidien. Donc là, il n'y a que la France qui dispose de données comme ça pour l'instant. Alors, c'est pas un truc extraordinaire, mais personne n'avait l'idée de poser la question. Êtes-vous déjà passé à l'usage quotidien? Si oui, à quel âge? C'est tout bête, hein. Et en posant cette question-là, on a réussi à reconstituer les trajectoires, enfin le passage à l'usage quotidien. Vous voyez, pour tous les âges, tous les âges et puis toutes les cohortes, chez les hommes comme chez les femmes, de plus en plus, en fait, c'est les moins diplômés qui passent à l'usage quotidien. Donc là, par contre, contrairement à ce qu'on voyait sur le cannabis, ça a toujours être fumeur quotidien de cannabis, ça a toujours été concentré dans les couches populaires. Sur les trajectoires individuelles, c'est Aurélie Maillet surtout qui travaille là-dessus. Donc, il y a déjà trois papiers qui sont parus. Et puis elle continue à travailler sur des modèles de plus en plus complexes, donc c'est avec des modèles de Markov. Donc là, l'idée c'est on passe de l'expérimentation de l'alcool à l'usage quotidien, de l'expérimentation du tabac à l'usage quotidien, etc. Et d'un produit à l'autre aussi. Et sur la méthode de repérage, sur le casque, comme je vous le disais, il a été un peu étudié sous toutes les coutures et on continue. Là, on est en train de regarder sa stabilité. De mesures entre différents pays, donc notamment à travers une enquête jeune qui s'appelle l'enquête Espagne, une enquête européenne, où donc il a été posé dans 13 pays, c'est un test de référence maintenant, et on regarde la variance de mesure dans les 13 pays. Donc il y a un certain nombre de techniques pour ça. Et puis il est en cours de validation aussi par rapport au DSM-5, parce qu'à l'époque on avait validé avec le DSM-4. Voilà, bon, sur les aspects techniques, proprement sur les méthodologies d'enquête, j'en parlerai pas beaucoup, mais on a des travaux très importants sur le redressement des enquêtes.
Donc c'est moins centré sur les drogues, évidemment. Et puis sur le contexte géographique et culturel, grâce aux données qu'on a, il faut savoir que dans l'ESCAPAD, on a à peu près, pour une vague d'enquête, on a 30 000 jeunes hein, sur le territoire métropolitain, plus c'est downtown. On a le département de résidence pour tout le monde. Et puis on a aussi maintenant le code postal. Donc on commence à pouvoir faire des analyses assez fines. On pourrait faire encore mieux à l'avenir, mais il y a déjà des choses. Et là, il y a des travaux qui commencent à se faire sur justement l'effet du contexte, le fait de vivre dans un département plus ou moins consommateur ou pas, le fait d'avoir des parents qui consomment ou pas, et à quel point les deux effets se cumulent, se comprennent, et les résultats assez intéressants, de modulation des effets de contexte par le type de famille, etc. Voilà, et on a aussi des travaux sur les perceptions et l'évolution des consommations en fonction des conditions de travail et des dégradations des ambiances familiales. Voilà. Donc il y avait eu une problématique qui était importante il y a quelques années, qui est en train de revenir au bout du jour autour des liens entre consommation de drogue et travail. Alors évidemment, du côté des entreprises, on pense que c'est la drogue qui crée des problèmes de travail, et puis du côté de la santé publique, on a plutôt tendance à dire c'est le contraire. Mais voilà, et donc on a posé des questions là-dessus sur l'évolution des conditions de travail sur un an, sur cinq ans, l'évolution des consommations sur un an, sur cinq ans, l'évolution des conditions familiales aussi, l'ambiance sur un an, sur cinq ans. Et on arrive à montrer les choses jouent de façon différente, évidemment, et puis notamment suivant le milieu social des personnes. Donc là, il y a deux papiers qui sont en cours de publication avec l'équipe de Marseille, notamment Patrick Pelletier-Lacquel. Voilà, donc ça c'est les trucs sur la méthodologie d'enquête, j'en parlerai pas. Et donc juste un mot sur les bases de données, donc on utilise que des bases de données qui sont existantes, qui sont en production régulière, donc il y a ESCAPAD, ESPAD pour le DD. Donc ESCAPAD c'est l'enquête franco-française sur les 40 places des 3 jours, la JAPD, la Journée de Défense Citoyenneté aujourd'hui. Donc les enfants ont 17 ans, 17 ans et 3 mois maximum. ESPAD c'est l'enquête européenne sur les 15-16 ans, 40 pays, il y a à peu près 4000 personnes en France. Baromètre santé, c'est l'UPES, c'est une enquête téléphonique, c'est 30 000 personnes par vague, c'est tous les 4 ans. Il y a CIP, qui est une cohorte qui est menée par l'adresse. Donc c'est une cohorte sur les gens qui travaillent. Et ça permet, donc c'est des données rétrospectives, en plus d'être une cohorte, et donc on a des données biographiques, en fait, d'histoire de vie. On travaille aussi sur CHER, qui sont des données sur le vieillissement des personnes en Europe, et l'enquête IRDES. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir été assez bref. Merci pour cette présentation. Moi, je ne connais rien du tout au sujet. Vous avez dit que vous travaillez sur des enquêtes existantes. Ouais. Mais comme elles sont répétées à intervalles réguliers, est-ce que vous intervenez pour, par exemple, qu'il y ait certaines questions qui soient posées, pour que vous puissiez les y trouver? Est-ce que vous êtes juste utilisateur, ou est-ce que vous avez un impact sur ce qui est recueilli? Non, au départ, on était simplement utilisateur dans les premières années. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que sur l'enquête ESCAPAD, c'est nous qui l'avons créée en 2000. Mais au départ, c'était vraiment une enquête, disons, de monitoring très simple, qui n'était pas du tout orientée recherche. C'était fait pour mesurer des prévalences de consommation, avec des questions assez standardisées et un peu bébêtes. Et plus c'est allé, plus on s'est dit qu'on détenait des outils importants, et qu'on pouvait donc les modeler pour répondre à des questions de recherche. Donc plus ça va, plus les outils portent notre patte et la patte de chercheurs extérieurs, et s'ouvrent à la recherche aussi. C'est un travail assez long parce que, en fait, en France, à travailler sur cette problématique-là, on n'est vraiment pas très long, hein. On est moins des deux doigts d'une main, quoi. Et donc, évidemment, ça tourne un petit peu en rond. Et c'est un contraste assez fort avec ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Mais en tout cas, de plus en plus, on pèse sur les enquêtes. Et le partenariat avec l'INPES, par exemple, en témoigne aussi. Question là-haut. Est-ce que vous avez des données sur les comorbidités psychiatriques? Alors, si vous parlez, vous pouvez parler fort, et puis on m'a dit, s'il vous plaît, de vous présenter avant de parler. J'ai oublié de dire. Antoine Rachat, de l'étude 4. Je voulais savoir si vous aviez des données sur les comorbidités psychiatriques. Alors, oui, enfin, dans une certaine mesure. On a notamment des questions, parce que la place dans les questionnaires, elles sont des enquêtes d'intérêt général. Hein.
Donc la place dans les questionnaires est assez chère. Et donc on a des données qui proviennent d'échelles très courtes, notamment la DRS pour anxiété et dépression. Des choses comme ça, mais il y a assez peu de choses. Hein. Si je peux me permettre une anecdote, c'est que, en fait, le champ, vous avez remarqué qu'il y a une équipe addictologie et une équipe usage de drogue. Ça peut paraître curieux, mais en fait, la question des substances dans tous les pays pose problème pour savoir si ça relève de la médecine ou pas. Il y a des sociologues qui considèrent que les usages de substances ne relèvent pas d'une problématique médicale, mais d'une problématique de société. Et du coup, parfois, dans les enquêtes, on a du mal à poser des questions de comorbidité parce que ça médicalise le recueil d'informations. Oui, c'est vrai aussi. Et d'autre part, les enquêtes sont des instruments qui ne sont pas au départ orientés pour la recherche. Et qui sont vraiment, par exemple, Escapade, c'est une enquête qui est donc l'Observatoire français de drogue et toxicomanie, certes, qui est un observatoire indépendant, mais quand même financé depuis quelques temps à 100% par la mairie de Caen, qui elle-même dépend du cabinet du Premier ministre. Donc il y a quand même une emprise politique assez forte. Et, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas ce qu'on veut dans le questionnaire, hein, c'est pas vrai, mais il y a quand même. Au départ, la culture n'est pas recherche et c'est pas orienté vers des choses très dures. Et comme c'est de l'auto-administré aussi, et que c'est des instruments, en fait, des questionnaires qui sont courts, il faut que ça passe en 35 minutes. Il y a peu de place pour développer des instruments cliniques, c'est pas possible. Question rapide. Tilma Brut, équipe 5. Rinker. Qui étudie les facteurs endogènes, soit génétiques, soit autres, qui prédisposent éventuellement à la prise de drogue. Est-ce que c'est l'équipe d'addictologie ou c'est vous ou personne? Non, c'est pas nous. Nous, on travaille avec des choses très très simples. Hein. Sexe, âge, diplôme, c'est que des choses... Non, mais typiquement mais c'est l'opposition ça pourrait, entre une pensée plutôt sociologisante et une pensée plutôt médicale. L'équipe addictologie s'inscrit clairement dans une pensée médicale. Voilà, tout à fait. Alors, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais dans les outils que j'essaie de valoriser, parce qu'ils coûtent des millions à produire et ils sont insuffisamment utilisés, donc ces fameuses enquêtes en population générale, voilà, il n'y a pas ce genre de choses. On ne demande pas des prélèvements biologiques, par exemple, c'est pas possible. Très bien. Merci. Oui, tant pis. Une dernière question, ouais. C'est difficile de répondre, mais je pense que pour intéresser pas mal de gens, c'est difficile donc, de calculer les deux participations sur les enquêtes téléphoniques en population générale, enquêtes expertes en domaine, pour nous en dire un mot. Ouais, avec plaisir. Donc, par exemple, il y a 20 ans, c'était le bonheur, le téléphone. Il y avait un opérateur national, c'était génial. Il y avait un annuaire. Formidable outil, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de box et tout ça. Donc en fait, c'était simple, on tirait un numéro de téléphone dans l'annuaire, on rajoutait plus un pour se décaler un peu et tomber éventuellement sur des listes rouges ou des entreprises. Et au moment des appels, et ben, on faisait le tri entre les listes rouges et les entreprises. Enfin, les listes rouges, on les interroge aussi, mais on exclut les entreprises, donc pas de problème. Les gens n'avaient pas 15 téléphones chez eux et 15 moyens d'être joints. Aujourd'hui, les gens sont multi-équipés. Ils se servent de certains téléphones pour passer des appels, d'autres pour recevoir des appels. Il y a des outils de filtrage. Il y a des tas de numéros qui tombent dans l'hyperespace parce que voilà, c'est la box qui est branchée, mais on n'utilise pas le téléphone. Donc on tombe toujours sur le répondeur de la box, mais on ne peut pas laisser de message. Donc, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un au bout du fil et ce téléphone peut servir à joindre les gens. Il y a par ailleurs des dispositifs de domotique qui sont commandés par téléphone. Donc des fois, on s'acharne à appeler des commandes d'ascenseur ou de volet roulant. Et on ne sait pas, hein. Et puis, du coup, au final, quand on ne peut plus procéder qu'un annuaire, donc on génère aléatoirement des numéros de téléphone. Donc, pour vous dire un ordre de grandeur, à l'INED, on finit une étude sur les violences, donc un sujet hyper sensible, avec un questionnaire téléphonique d'une heure, deux en moyenne après la phase de sélection. Donc, le questionnaire le plus long, c'est 2h30. Les gens qui ont des problèmes, en plus, on leur fait parler beaucoup de leurs problèmes. C'est une enquête qui s'appelle Virage. Donc on a 26 900 questionnaires qui vont être collectés. On est à la fin, là, il nous reste 1000 questionnaires même pas à collecter. Et donc pour avoir ces 27 000 questionnaires, on a généré 300 000 numéros de téléphone au départ.
complètement au hasard, avec une fonction de nombre aléatoire, voilà, parce qu'on ne peut plus se fier aux anures, parce qu'il y en a plein, et ils sont tous incomplets, et donc ensuite on filtre ça sur les racines RCEP, donc c'est les plages de numéros qui sont ouverts à l'exploitation commerciale. C'est le seul contrôle qu'arrive à exercer l'autorité publique sur les opérateurs. C'est ferme certains plages de numéros. Et une fois qu'on fait ça, donc ça en élimine un gros paquet, hein, et notamment des 0,7, des choses comme ça, et des 0,9. Et puis, mais les 0,1, évidemment, ça n'élimine plus rien, les 0,6 non plus, hein, tout est ouvert à l'exploitation. Et après, on a un automate d'appel qui vérifie que la ligne est branchée et que ce n'est pas un faux numéro. On exclut tous les faux numéros, toutes les lignes pas branchées. Et là, il reste la moitié des numéros, et après on appelle. Et sur cette moitié de numéros, au final, il y en a encore 25% qui ne répondront jamais. Jamais, jamais, jamais. Et on ne sait pas si c'est des gens, des volets roulants, ou des professionnels, ou rien du tout. Donc c'est pour vous dire un peu le genre de truc. Donc là, il y a des... je vous en parlerai pas là, parce que c'est pas l'objet, mais on est en tractation avec les opérateurs téléphoniques et même la Poste pour essayer de contourner cette difficulté-là, pour repenser les enquêtes téléphoniques de A à Z. Parce que toutes les informations existent, mais évidemment, les opérateurs ne les donnent pas pour des raisons soi-disant commerciales. Voilà. Merci. Alors, normalement, c'était à Louis de passer. Louis, j'ai l'équipe Outre-mer, et je crois qu'il n'est pas là. Et il devait être à Paris en ce moment, mais peut-être que finalement... Alors, je peux parler un peu de son équipe, et sinon, Pascal. Bon, je dis deux mots de l'équipe. Ah, tu peux... Pardon ? Oui, oui, j'en dis deux mots, bien sûr. Donc, l'équipe Outre-mer. Donc, regroupe des chercheurs de Guyane, Martinique... pas Guadeloupe, peut-être, Réunion et Polynésie française. Donc c'est son intitulé exact, c'est « Impact du psychotraumatisme et du suicide en Outre-mer ». Donc elle regroupe Louis, qui est professeur de psychiatrie à Fort-de-France, un groupe d'économistes de Fort-de-France, il y a un gros laboratoire d'économie à Fort-de-France, le CEREGMIA, qui s'appelle, avec le professeur Célimène, qui sont intéressés pour faire de l'économie de la santé, on les connaît bien. Donc c'est pour ça que tout le volet Outre-mer a toujours un corollaire économie. Donc Louis Géhel, les membres de son service de psychiatrie, il y a deux psychiatres réunionnais, un collègue de Polynésie française, et un groupe de collègues anthropologues, professionnels de santé publique et psychiatres et addictologues de Guyane. Alors leurs projets en ce moment sont beaucoup autour du suicide. Vous savez que le taux de suicide en Outre-mer est beaucoup plus élevé que le taux de suicide en France métropolitaine et que c'est particulièrement vrai dans les populations natives, c'est-à-dire en particulier les Français qui vivent dans la forêt amazonienne. Le taux de mortalité par suicide des adolescents dans la forêt amazonienne est multiplié par 10 par rapport à la France métropolitaine. Donc il n'y a pas de recherche, il n'y avait pas de recherche bien sûr, parce que c'est des populations très difficiles d'accès. Donc ils ont été très forts pour avoir plusieurs financements. Du coup, ils sont complètement surbookés parce que leur force de frappe méthodologique est... Alors j'ai oublié, il y a Antoine Messia, un chercheur INSEAM qui les aide. Antoine Messia est un chercheur INSEAM qui vit à Miami et donc c'est pas loin des Caraïbes et donc il collabore avec eux régulièrement. Voilà. Et associé à Louis Géhel, il y a aussi Newton Howard qui est un prof d'informatique de Oxford qui est spécialisé en big data et machine learning et qui développe des outils à partir de smartphones pour détecter les émotions sur les visages et dans la voix. Ce qui a un intérêt pour eux, parce que ça a une valeur transculturelle. Or, ils sont dans des populations très fortement transculturelles, où les outils doivent être validés dans les créoles du coin. Le créole de la Réunion n'est pas le même que celui de la Martinique, n'est pas le même que celui de la Guyane, etc. etc. Donc il y a des problèmes d'instruments, et d'avoir des outils transculturels qui passent par autre chose que
les questionnaires, ça peut être utile. Alors, les travaux, donc ils ont eu beaucoup d'argent, en fait, hein. Ils ont eu beaucoup d'argent et donc maintenant leur problème c'est d'assumer leur succès. Ils ont un PHRC, un programme hospitalier de recherche clinique, qui vise à adapter à la population martiniquaise un programme qui a déjà été validé en France, qui s'appelle le programme ALGOS de prévention du suicide, où chez les gens qui ont fait une tentative de suicide, on propose une intervention cognitivo-comportementale et un suivi avec des rappels téléphoniques réguliers. Voilà, ça a été étudié avec un essai randomisé en métropole. Et ça marche, et sauf que le rappel téléphonique et puis les interventions cognitivo-comportementales à la Martinique, c'est pas forcément transposable directement. Il faut s'adapter au système de soins. Le système de soins martiniquais, il est français, sauf que le rôle du médecin généraliste, le rôle de l'hôpital, c'est pas la même chose. Voilà, donc ils ont de l'argent pour faire une étude d'évaluation de cette intervention. Ils viennent d'avoir de l'argent de l'IRESP pour avoir un instrument de dépistage des idées suicidaires à La Réunion, où c'est un problème important. Et puis, ils ont une grosse étude sur les Indiens du Oyapock, un fleuve qui est en Guyane. Donc, une étude de prévention du suicide chez les adolescents donc dans l'Amazonie, avec plusieurs volets, dont un qui est issu de l'observation qu'il y a un instituteur dans un des villages, qui est très motivé par son métier, et qui a un taux de suicide beaucoup, beaucoup plus bas que les autres instituteurs. Alors qu'ils se sont interrogés, ils se sont demandé pourquoi, ils se sont rendus compte que, par exemple, tous les ans, aux enfants, alors il a une seule classe, hein, c'est tous les âges mélangés, hein, tous les ans, il fait travailler ses enfants sur un voyage. Donc ils cherchent de l'argent. L'année dernière, ils sont allés au Groenland, vous voyez. Voilà, ils sont allés donc ils cherchent de l'argent. Et puis ils sont allés voir les Indiens Inuits, donc qui ont les mêmes problèmes, mais pas la même température. Et donc du coup, ça, si vous voulez, ça relativise le choc culturel de ces enfants qui vivent en Amazonie, qui sont confrontés à la culture française parce qu'ils doivent aller au collège et au lycée dans la préfecture. Donc ils quittent leur culture, après ils doivent revenir. Donc ça fait plein de problèmes. Et d'aller voir les Inuits qui sont confrontés aux mêmes problèmes et qui sont tellement différents, finalement quand ils reviennent et qu'ils voient que la Terre, que tous les êtres humains sont pareils, etc., eh bien finalement ça marche, quoi. Voilà. Donc venant d'une observation du terrain, ils ont mis en place une stratégie avec les élus locaux de prévention du suicide et ils sont en train d'essayer de l'évaluer avec les histoires de smartphones et tout ça pour voir si statistiquement les gens vont mieux après qu'avant. Voilà le genre de travail qu'ils font. Je crois qu'il sera ravi de venir vous en parler. Il vient régulièrement et il était là à la première réunion du chef d'équipe. Alors, ils sont seuls en termes méthodologiques. Si on peut leur donner un coup de main de temps en temps, ils seront ravis. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux essayer de... Ouais, j'y vais dans 4 semaines, c'est le lancement du PHRC. Oui, Arjana. Alors, on a vu, tout ça, c'est chez les adolescents. Alors, le PHRC est chez les adultes aussi. Ah, chez les adultes aussi. Oui. Tous ces aspects santé mentale. Parce que le CESP, jusqu'à maintenant, on travaillait, c'est pas chez les enfants, je crois. À part Florent un petit peu. Il y a pédiatrie. Il y a VIH. Et même en VIH. Vincent Gagnon. C'est quoi ta question? Ça marche. La question, c'était vraiment sur l'identité de CESP. Est-ce qu'on se dit qu'on travaille sur les maladies chroniques? C'est ça. Il y a eu des discussions, pas cette année, mais oui. Il y a un certain temps. Oui. Quelle était notre identité? Mais là, il y a beaucoup d'enfants. Ah oui, maintenant, il y a beaucoup d'enfants, oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, d'abord, j'en pense que le nom est bien choisi. Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Après, on est vraiment généraliste. Vraiment généraliste, hein, à part peut-être les maladies bactériennes. Hein, je crois qu'on n'est pas beaucoup à faire des antibiotiques qui sont un vrai problème de santé publique, pour le coup.
Mais à part les antibiotiques, on fait à peu près, on fait pas tout, mais on fait beaucoup de choses, quoi. Ben voilà. On est des généralistes de la santé publique. Généralistes de la santé publique. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée parce que la santé publique, justement, comme c'est compréhensif, comme disent les anglophones, c'est compréhensif, on a besoin d'avoir une perspective somatique, psychologique, biologique ou pas, etc., populationnelle, clinique, même avec des maladies rares, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Moléculaire. Moléculaire et translationnelle, critique. Ouais. Une autre question ? Sur l'outre-mer, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Rien. Bien, donc je vais vous parler de notre équipe qui est autour des cancers à nouveau. Donc on est là, j'ai eu trois présentations sur des équipes qui s'occupent pour la majeure partie de cancer. Voici la quatrième. Donc notre équipe cancer et environnement, ou épidémiologie des cancers, gènes et environnement pour son nom officiel, donc qui est co-dirigée par moi-même et Isabelle Stucker qui n'a pas pu venir aujourd'hui. La composition de l'équipe, donc nous sommes quatre chercheurs INSERM, indiqués ici. Vous voyez également que dans le profil de l'équipe se trouve également Sylvia Richardson, qui en fait est localisée à Waymarcy à Cambridge, mais qui est au profil de notre équipe du fait des liens très étroits qu'on a avec elle. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Nous avons également deux universitaires, Florence Guida qui devrait nous rejoindre pour un postdoc l'année prochaine, une équipe d'ingénieurs avec deux ingénieurs INSERM, Yves Koudou qui est Paris Sud, qui est rattaché au profil de notre équipe, mais qui doit avoir en fait des activités transversales dans l'ensemble du CESP, et puis des chercheurs sous contrat. Et actuellement, nous avons, dans notre équipe, nous avons 7 doctorants. Alors, les objectifs généraux de cette équipe, tout d'abord, c'est la prévention des cancers. Donc, il s'agit en fait, dans nos travaux, d'identifier les facteurs de risque environnementaux, c'est-à-dire modifiables des cancers. Dans un deuxième programme, d'identifier les sous-groupes exposés aux cancérogènes dans la population. Et puis également, une partie de nos travaux porte sur l'identification des facteurs pronostiques chez les patients cancéreux. Un deuxième objectif général est la connaissance des mécanismes de cancérogénèse, comprendre les causes des cancers, bien entendu, découvrir également les facteurs de prédisposition génétique en nous intéressant notamment aux interactions gènes-environnement. Et puis également d'identifier les fenêtres d'exposition au cours de la vie, les fenêtres d'exposition critiques qui peuvent être à l'origine de cancers ultérieurement. Enfin, nous avons comme troisième axe le développement de nouveaux outils pour mesurer les expositions des individus au cours de la vie. Et puis également développement d'outils méthodologiques, notamment avec Sylvia Richardson, pour analyser des grands ensembles de données avec des informations très diverses et un grand nombre d'expositions combinées avec des interactions complexes. Alors les données que nous utilisons, nous avons en fait dans l'équipe réalisé de gros recueils de données depuis plusieurs années. Nous travaillons essentiellement avec des recueils de données sur des études de type cas témoin en population générale. Alors, bon, évidemment, on compare souvent les études cas témoin avec les études de cohorte en disant que les études cas témoin sont un outil moins utile, mais dans certaines circonstances, en fait, les études cas témoin ont quand même énormément de valeur, notamment pour tester des hypothèses particulières, ce que ne peuvent pas toujours faire les études de cohorte. Donc avec un recueil de données important, avec des questionnaires très détaillés, un recueil d'échantillons biologiques. Et puis également dans les études, donc actuellement, nous
nous intéressons au suivi des groupes de 4 cancers pour l'étude des facteurs pronostiques des cancers. Dans ces travaux, nous utilisons également des bases de données extérieures, puisque nous participons notamment à la plupart des grands consortiums internationaux qui permettent l'accès à de très grandes bases de données, par exemple pour les cancers du sein ou pour les cancers de la prostate, avec des dizaines de milliers de cas et de témoins qui peuvent être utilisés. Nous travaillons également avec les données du SNIRAM dans quelques travaux. Nous utilisons des enquêtes, des données d'enquête nationale, comme l'enquête emploi, l'enquête sumaire, et donc également des cohortes de patients hospitalisés. Alors, quelles sont les études qui ont été menées dans l'équipe? Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées déjà depuis un certain nombre de temps et qui sont toujours utilisées pour certains projets spécifiques. Donc, nous avons donc notamment des études sur les cancers du sein chez l'homme qui datent, mais qui sont toujours utilisés dans certains projets. Plusieurs études sur les cancers de la thyroïde, donc une étude en France et une étude en Nouvelle-Calédonie dont Nadia a parlé ce matin. Une grosse étude sur les cancers respiratoires, l'étude ICAR, qui porte à la fois sur les cancers du poumon, donc menée par Isabelle Stucker en collaboration notamment avec Daniel Luce. Donc l'étude ICAR qui porte à la fois sur les cancers du poumon avec environ 3000 cas, 3500 témoins, et sur les cancers des voies aérodigestives supérieures. Une étude sur les cancers du sein avec 1200 cas, 1300 témoins. Une étude sur les cancers de la prostate menée par Florence Ménégo, dont le recueil de données a été achevé récemment. Et des nouvelles études sur les cancers du poumon chez la femme, sur lesquelles je reviendrai rapidement. Et puis des nouvelles études qui portent sur le travail de nuit des infirmières dans un projet spécifique, et une étude sur des cohortes de patients atteints de cancer, le projet CARPEN, dont je redirai un mot également un petit peu plus tard. Donc en fait, toutes ces études sont associées généralement à des consortiums internationaux auxquels nous participons activement. Alors, le type de matériel qu'on recueille dans ces études, généralement à l'aide d'entretien en face à face, à l'aide de questionnaires standardisés, des facteurs très généraux sur facteurs sociodémographiques, la vie reproductive, les antécédents médicaux, etc., l'alimentation. Dans ces études, nous intéressons beaucoup également à l'historique, aux expositions professionnelles. Donc, nous avons des questionnaires professionnels détaillés sur l'historique de carrière qui permettent d'évaluer les expositions, soit par expertise, soit à l'aide d'outils comme ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition. Nous avons également, recueillons une histoire résidentielle complète, ce qui permet de faire des géocodages et de coupler ces informations avec des bases de données extérieures, comme par exemple la pollution atmosphérique. Et puis, nous intéressons également parfois aux expositions périnatales. Nous avons des biobanques avec du sérum, de l'ADN, et également du tissu tumoral, qui permettent également de développer des travaux sur les marqueurs tumoraux ou en épigénétique. Alors, les principaux programmes de recherche, enfin les axes de recherche sont indiqués ici. Donc, ce qui nous occupe une grande partie de notre temps est un axe de recherche sur l'identification des facteurs de risque des cancers, dont je vais vous citer quelques exemples. Également un axe de recherche sur la caractérisation des expositions dans la population. Et puis donc un axe de recherche sur l'étude des facteurs pronostiques des cancers, et tous ces programmes étant associés à des développements statistiques et méthodologiques. Alors, en ce qui concerne donc les facteurs de risque des cancers, voici donc les principaux. Donc, nous intéressons beaucoup aux facteurs de risque de type environnemental ou professionnel, avec par exemple les expositions environnementales aux perturbateurs endocriniens, à la pollution atmosphérique. Un axe de recherche qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est le problème du travail de nuit et des perturbations du rythme circadien. Nous intéressons également à des facteurs liés au mode de vie, comme
l'activité physique, les consommations d'alcool, de tabac, etc. Et enfin, des choses sur les facteurs hormonaux, sur le métabolisme, l'obésité. Et puis en fait, tous ces axes, tous ces travaux en fait sont également... donc nous avons dans l'équipe depuis un an recruté Thérèse Truong, qui elle est responsable de l'axe génétique et qui donc sur l'ensemble de ses études s'intéresse à l'étude des facteurs génétiques de prédisposition des cancers, aux interactions gène-environnement, et qui donc s'intéresse, qui développe également des méthodes d'analyse par pathway. Alors bon, quelques exemples en fait. Là, j'ai sélectionné donc le travail de nuit qui nous intéresse à plusieurs titres. Donc la prévalence. Alors c'est un sujet important parce que le travail de nuit est une modalité de travail qui prend de plus en plus d'importance dans la population. Actuellement en France, on estime que 15% de la population travaille de nuit. C'est en forte augmentation chez la femme. Et puis, donc il y a, depuis, disons, une vingtaine d'années, il y a des études sur des grandes cohortes d'infirmières américaines qui ont montré que le travail de nuit pouvait augmenter le risque de cancer, donc de cancer du sein notamment. Et puis en 2007, une monographie de l'IARC, c'est-à-dire du Centre international de recherche contre le cancer, a classé le travail de nuit entraînant des perturbations du rythme circadien comme cancérogène probable, c'est-à-dire dans le groupe 2A, sur la base de niveaux de preuve suffisants chez l'animal et de niveaux de preuve limités chez l'homme. Donc en fait, les mécanismes possibles qui peuvent expliquer cette association sont multiples. Donc l'hypothèse la plus développée est l'hypothèse mélatonine, c'est-à-dire l'exposition à la lumière pendant la nuit supprime le pic naturel nocturne de mélatonine, la mélatonine étant une hormone qui a des effets oncostatiques. Il y a également donc l'hypothèse concernant la dérégulation de l'horloge biologique interne, et puis également des modifications de l'expression des gènes du rythme circadien qui régule ce cycle de 24 heures selon une boucle rétroactive. Et puis également, les troubles du sommeil et l'immunodépression sont également évoqués comme cause possible, expliquant ce lien entre travail de nuit et cancer. Alors en fait, dans l'étude Cécile, nous avons donc, nous sommes intéressés à ce sujet-là. Simplement ici, pour résumer les choses, donc nous trouvons effectivement une association faible, mais qui confirme des travaux antérieurs, entre le travail de nuit et le cancer du sein, avec une augmentation du risque, notamment chez les personnes qui travaillent sur l'ensemble de la nuit. Et puis, plus récemment, en fait, ce qui est intéressant également, c'est confirmé également dans plusieurs études, en fait, cette association serait plus marquée pour certains sous-types particuliers de cancer du sein, ce qui évoquerait quand même une relation quand même assez solide, notamment avec les types de cancers du sein positifs pour les récepteurs hormonaux et pour un récepteur particulier HER2. Voilà, nous sommes également intéressés donc, avec Thérèse Truong à ces gènes du rythme circadien. Je ne vais pas vous détailler les choses. Là, en fait, ce que nous observons ici dans ce travail, c'est une possible interaction entre un des gènes qui régule ce rythme circadien, le gène PER1, qui est important dans cette boucle de rétroaction, et le travail de nuit. Alors, en ce qui concerne les cancers respiratoires, donc ça, c'est la partie plutôt d'Isabelle Stucker. Donc, l'étude ICAR, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui est donc une des plus grosses études actuellement sur les cancers du poumon, qui porte avec un intérêt particulier pour les expositions professionnelles. Donc il y a eu des travaux effectués sur l'exposition aux fumées de soudure, aux solvants, à l'activité de ménage. Également, en ce qui concerne les cancers de la bouche et des glandes salivaires, avec Loredana Radoy, des travaux sur les consommations d'alcool, de tabac,
d'analyse de masse corporelle, des antécédents médicaux. Et puis, donc, il y a cette étude de Welka qui porte sur les cancers du poumon chez la femme, sachant que les cancers du poumon chez la femme sont intéressants parce qu'ils ont été relativement peu étudiés par rapport au cancer du poumon chez l'homme. Et ils présentent des caractéristiques particulières. Notamment, on a observé que l'effet du tabac, par exemple, chez les femmes, dans les cancers du poumon chez la femme, serait plus important que chez l'homme. Il y a des types histologiques également qui sont différents. Enfin, donc voilà, ça vaut la peine de s'y intéresser plus spécifiquement. Là, simplement également un exemple de ce qui a pu être fait dans cette étude. C'est en ce qui concerne l'exposition aux solvants chlorés et donc le cancer du poumon. Où du fait de la grande taille de l'étude, du fait d'un historique, de la possibilité d'avoir un historique professionnel complet, détaillé, et puis une évaluation des expositions relativement précise et détaillée sur la vie entière, il y a un lien qui a pu être mis en évidence dans cette étude entre le cancer du poumon, notamment chez la femme, et l'exposition au perchloroéthylène, ce qui était une question en fait qui a été soulevée antérieurement. Du fait d'une augmentation du risque de cancer du poumon chez les femmes qui travaillaient dans le nettoyage à sec, notamment, et cette association semble être confirmée du fait d'exposition au perchloroéthylène dans cette étude. Voilà, donc également, nous avons également des travaux, donc, notamment avec Florence Ménégo, sur les cancers de la prostate. Les cancers de la prostate, dont l'étiologie globalement est très mal connue. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce recueil de données venait de se terminer. Et il y a donc des travaux en cours là qui démarrent sur le rythme circadien également, sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les facteurs anthropométriques. Voilà. Et donc, je pense que peut-être, si vous avez des questions, Florence pourra vous y répondre. En ce qui concerne les cancers de la thyroïde et la génétique, donc là aussi, c'est un exemple que je vous donne. Donc ça, c'est plutôt la partie de Thérèse Truong. Donc le cancer de la génétique, en fait, on sait que la part génétique dans ces cancers est très importante, mais on connaît très peu de variants génétiques qui sont associés à ces cancers de la thyroïde. Donc il y a des travaux qui ont été engagés là-dessus. Et puis je voudrais souligner, enfin Nadia en a parlé ce matin, donc Thérèse Truong est à l'origine de ce projet TIR OncoArray, donc avec une collaboration avec l'équipe de Florent Desvater, l'équipe de Marie-Christine également, l'équipe du CIRC, l'Institut Curie et le CNG. Donc un pool de 6 études qui permet d'avoir un très grand nombre de sujets et qui permettra d'étudier les facteurs génétiques dans ces cancers à l'aide d'une puce qui comporte 500 000, qui permet de mesurer 500 000 variants génétiques sur l'ensemble du génome. Bon, brièvement, les autres programmes de recherche. Donc, je vous ai parlé de la caractérisation des expositions, l'identification et caractérisation des sous-groupes de population exposés aux cancérogènes. Donc, nous avons des travaux, nous développons des travaux sur, par exemple, la construction. Nous construisons certaines matrices en co-exposition. Nous avons également un projet d'études chez les infirmières de la PHP sur les perturbations du rythme circadien chez les infirmières qui travaillent de nuit. L'étude CARPEM sur les facteurs pronostiques des cancers, qui est une étude qui permet de suivre les patients cancéreux de 3 grands hôpitaux parisiens, dont l'hôpital Georges Pompidou. Et nous sommes intégrés dans ce projet pour l'étude des facteurs environnementaux et professionnels sur le suivi dans le suivi de ces patients. Voilà, et en ce qui concerne les développements méthodologiques, je ne vais pas en dire beaucoup là aujourd'hui, sinon qu'il y a des méthodes d'analyse qui sont adaptées à nos données, qui sont développées notamment en collaboration avec Sylvia Richardson. Voilà, je vais peut-être passer là-dessus. En ce qui concerne, voilà, ce que je voudrais quand même terminer par dire, c'est qu'en fait, nous avons énormément d'activités d'expertise qui nous prennent beaucoup, beaucoup de temps, notamment des activités d'expertise nationales au sein de l'ANSES ou de l'INSERM. Des activités d'expertise également au CIRC, notamment par notre participation dans les monographies du CIRC qui
porte, par exemple, récemment, je participais à une monographie sur l'évaluation de la cancérogénicité de certains pesticides. Et puis plusieurs d'entre nous ici, dont moi, sommes impliqués dans des travaux sur l'étude des fractions de risque attribuables fractions de risque de cancer attribuables aux expositions professionnelles et environnementales. Et puis voilà, donc nous participons à différents comités scientifiques. Et voici la liste également de nos principaux financeurs. Je vous remercie. On a un peu de temps pour des questions. Sur les pathologies, on va dire, les pathologies chroniques. Et je me dis que c'est un peu dommage, ça fait longtemps que je me dis ça, mais là j'en profite pour le dire publiquement. Qu'on n'ait pas plus de réflexion. Alors en même temps, bien sûr, on ne peut pas demander aux gens de repenser autrement leurs recherches. Voilà, c'est exactement pareil en santé mentale, bien sûr. Mais voilà, ça me, en écoutant les différents intervenants, je me suis vraiment posé cette question. Non, mais c'est effectivement, je pense que tu as raison. Bon, ce qu'il faut voir, enfin, bon, je pense que c'est le cas de notre équipe, mais sans doute les autres équipes cancer aussi. C'est-à-dire, on s'est quand même essentiellement intéressé, là, jusqu'à présent, aux facteurs de risque des cancers, donc beaucoup moins de ce qui se passait après le diagnostic. Je pense que en tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que c'est un petit peu en train de changer. C'est-à-dire que là, on a des nouveaux projets importants qui s'orientent vers le suivi des patients. Et donc, peut-être pas dans les mois, mais peut-être dans les années à venir, peut-être que c'est effectivement un thème de recherche qui pourrait être abordé et qui pourrait être développé. Pour le redire différemment, tel que j'entends ce que tu dis, Virginie, c'est qu'on pourrait peut-être se demander systématiquement. Par exemple, je fais un travail de recherche sur cancer et environnement, je trouve des résultats. Alors, ces résultats vont être utiles directement pour le politique, parce que le travail de nuit, c'est une question politique qui se pose tous les jours, quoi. Mais peut-être qu'aussi, cette question devrait être discutée avec les praticiens de soins primaires, et donc, que peut faire un médecin généraliste avec un message de prévention autour des problèmes d'environnement ? Dans ce genre de contexte, il y a aussi les médecins du travail. Et les médecins du travail. Donc,
Parce que c'est vrai que si un médecin, un médecin généraliste est confronté à en face de lui une infirmière qui a un travail de nuit, et alors dans quelle mesure doit-il chercher peut-être une maladie plutôt qu'une autre, etc. Oui. C'est vrai. Oui. Votre marque, Virginie, je ne connais pas, mais elle est très pertinente parce que, par exemple, dans la campagne qu'on fait pour la CBM, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, je suis parti de vainqueur, encore plus s'appeler cœur de vin. Figurez que la CBM, elle a un retour sur investissement pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on dépiste. Et les patients, enfin les gens qui viennent, parce que ce n'est pas des patients, ne sont pas traités, parce que c'est un dépistage primaire. Et à 10 ans, on va les faire revenir pour voir l'efficacité de la prise en charge par les médecins traitants de la campagne. La CPAM, elle peut savoir ce qu'on a fait de son argent, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est avec les campagnes qui sont faites et avec l'enseignement qu'ils ont par ailleurs, la formation médicale, etc., comment sont pris en charge les facteurs de risque. Alors, c'est multiple, hein, parce qu'ils peuvent voir leur médecin, les bonnes prescriptions, qu'ils ne suivent pas le traitement comme il faut. Enfin, il y a quand même une efficacité du médecin traitant. Il n'y a que des médecins traitants qui sont en charge. Nous, on fait aucune prescription. Donc c'est une partie des questions qui sont posées, qui sont réelles, parce que sinon, on n'aurait pas du tout de... D'abord, on aurait un accueil très négatif des médecins traitants vis-à-vis de nous, parce qu'on fait, quelque part, ils nous voyaient comme étant des gens qui regardaient ce qu'ils font. Et après, ils ont dit, mais nous, on sait le faire. On leur a montré que ce n'était pas forcément vrai. Et là, ils acceptent qu'on regarde et qu'on renvoie les malades à eux, mais à condition que ce soit eux qui les prennent en charge. Donc on pourra vous répondre, parce que là, maintenant, on est à 10 ans, et on commence à le faire. Bon. Je voudrais rajouter aussi, enfin, bon, effectivement, là on travaille quand même sur des sujets qui ont beaucoup à faire avec la prévention, enfin, le travail de nuit, les expositions professionnelles, la pollution, etc. Enfin, nous, la façon dont on a de répondre, enfin, on a beaucoup de questions de médecins généralistes, de médecins du travail, etc. là-dessus, mais enfin, la façon qu'on a de répondre à ces préoccupations-là, c'est de participer à des expertises. Enfin, j'ai souligné enfin, le temps que ça nous prend de participer à ces expertises, que ce soit à l'ANSES ou ailleurs. Voilà, enfin, je pense que c'est un petit peu notre rôle aussi. Je vais juste rajouter un mot par rapport en fait, ce qu'on fait dans le cadre des études. Cette étude qu'on a obtenue, il y a maintenant une consultation de suivi à long terme. Il y a des interventions dans l'IGR, une clinique de suivi à long terme, où ils invitent tous les patients qui ont été traités il y a très longtemps pour faire un suivi et pour donc personnaliser un peu le suivi selon les risques qu'ils peuvent avoir. Et en parallèle, il y a aussi un projet sur le dépistage du cancer de la thyroïde, des cancers du sang, qui a été mis en place dans une autre équipe.